Les feux de forêt, un fléau qui chaque année en Gironde détruit plusieurs centaines d'hectares de pinèdes. Le dispositif opérationnel Feu Forêt a été présenté à la préfète de la Gironde, l'occasion de montrer les dispositifs d'intervention, mais aussi les nouveaux véhicules plus performants dans la lutte contre les incendies. Chaque année, nous renouvelons notre parc matériel avec de nouvelles dotations de véhicules de lutte. C'est le cas avec des porteurs plus importants, puisqu'on est passé d'unités 3000 litres à une généralisation d'unités 6000 litres. Ce qui nous donne une capacité d'action beaucoup plus lourde. Alors la stratégie, elle est essentiellement basée sur de l'analyse en amont. C'est pour ça que quotidiennement, des bilans sont faits par le biais de données météorologiques fournies par Météo France. Par le biais de données qui remontent du terrain, on va, en fonction du niveau de risque, mettre en place nos guetteurs, qui depuis des tours de guet, depuis des pylônes, à plus de 30 mètres, sont en mesure de quadriller l'intégralité du massif forestier girondin et d'être précurseurs en termes d'alerte et donc d'engagement de moyens opérationnels. Des sapeurs-pompiers contractuels vont être recrutés sur les postes de guet durant l'été. 22 tours répartis dans la Gironde. Objectif, détecter les départs de feu le plus rapidement possible. Tous les jours, je reçois en tant que préfète de ce département un point sur la situation dans la forêt avec un niveau de risque. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, il fait très chaud, mais on est en risque modéré. Je pense que ce département a connu des situations compliquées dans le passé, qui se mènent en son loin, mais ce département a eu l'intelligence de ne pas oublier et de construire quelque chose de solide. En 2017, à Sissac, c'est 1000 hectares qui étaient partis en fumée dans la journée. Cette présentation du dispositif était donc l'occasion de rappeler les règles à observer pour éviter les départs de feu. D'être particulièrement vigilant, de ne pas faire de barbecue, de ne pas jeter de mégots et de signaler immédiatement tout départ de feu auprès des services de secours par le numéro 18 ou 112. L'homme est à l'origine de 94% des incendies. La prévention reste donc la meilleure façon de lutter contre les feux de forêt.